Gestion de crise et Booking.com, qu'est-ce qu'il faut faire pendant le confinement pour toujours avoir des réservations? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Boum! Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-hôtes et dans cet épisode, on va voir comment gérer cette situation de crise, de confinement où tu as peut-être beaucoup moins de réservations et ce que tu dois concrètement faire pour justement optimiser tout ça et puis maintenir ton niveau de chiffre d'affaires. Et surtout, on va faire un focus sur Booking.com. Mais avant ça, si tu souhaites avoir toutes les techniques, les stratégies et les outils pour atteindre ton indépendance financière, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche. Oui, clique dessus maintenant pour avoir et être notifié des prochains épisodes et des prochaines ressources que je vais t'envoyer et que tu vas pouvoir télécharger. Donc, on va faire un focus sur Booking.com. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu fais de la location courte durée, pendant cette période de crise, on va dire de confinement, c'est très important d'adapter ta stratégie tarifaire. Donc il va falloir cibler, on va dire, les voyageurs qui font des plus longs séjours, des professionnels. Et pour cela, si tu gardes les mêmes prix que tu as pendant l'été, forcément, ça ne va pas marcher. Donc il va falloir adapter tout ça. Et moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'adopter une tarification adaptée au contexte. Donc d'adopter les promotions suivantes. Donc pour les séjours de 2 à 3 nuits, tu vas mettre 5%, 4 à 6 nuits, 20% de réduction, 1 à 2 semaines, 30%, 3 semaines, 35% et 1 mois, 40%. Pourquoi ça c'est important? Puisque ça te permet de cibler les entreprises, les collaborateurs qui sont toujours en déplacement, parce qu'il y a toujours des personnes qui travaillent et qui recherchent des logements. On va voir maintenant, on va passer derrière l'écran, je vais te montrer comment concrètement le faire avec Booking.com et j'en dis pas plus, donc on bascule derrière l'écran et on se retrouve juste après. Ok, alors ensuite on va voir sur Booking comment planifier des réductions. Donc tu as le prix qui est envoyé par défaut par le channel et après on veut faire par exemple un mois, comme j'expliquais dans le tuto de groupe. Donc 1 mois 40% de réduction, 3 semaines 35%, 1 à 2 semaines 30%, 4 à 6 nuits 20%, 2 à 3 nuits, 5%. Donc, on va y aller. Donc, pour ce faire, tu vas dans Tarif, tu vas dans Plan tarifaire. Après, tu cliques sur Ajouter un plan tarifaire. Donc, moi, je te conseille d'avoir un tarif de base non remboursable. Et après, donc là, on va faire au mois. Donc, en bas, tu vois, il y a différentes boxes pour ajouter un plan tarifaire. Donc, là, j'ai mis au mois, donc 28 nuits minimum. Là, on laisse soit non remboursable, flexible, etc. Donc, moi, je vais mettre. Non remboursé, je vais mettre flexible là pour le truc de enfin un mois parce que c'est quand même assez engageant et là je vais mettre 40%. Donc le reste ça tu peux le laisser. Là il faut laisser en fonction du rate normal comme ça tu touches pas et donc là on va mettre tarif au mois, on fait vérifier les trucs tarifaires, hop, c'est parti. On active. Donc là, je l'ai fait au mois. Ensuite, si on veut le faire sur 3 semaines, donc on va y aller. Donc on va mettre 3 semaines. Donc je vais mettre option personnalisable. Je vais mettre flexible. Non, ouais, je vais laisser flexible. Il n'y a pas de repas. Fixer une durée minimum. Donc 3 semaines, c'est 21 jours minimum. Voilà, tac, et on va mettre 35% de réduc et on va mettre 3 semaines et on fait vérifier, activer le plan. Ensuite, on va faire 1 à 2 semaines. Donc là, je vais ajouter un plan tarifaire, option personnalisable. Pas de repas, ça dépend du nombre de nuits. Donc je vais mettre 7 nuits et en fait, je vais mettre 7 nuits minimum parce que, après, au-delà, quand ça arrive à 2 semaines, non, du moins à la troisième semaine, ça va prendre le 35%, mais là donc ça va aller de 7 à un peu plus de 2 semaines. Donc là je vais mettre 30% de réduc. Hop. Donc on va mettre 1 à 2 semaines. On active le plan. Après, je vais mettre 4 à 6 nuits, 20%. Donc là, 4 à 6 nuits. Donc je vais mettre 4 nuits en fait. Je vais mettre 4 nuits minimum. Donc ça va aller de 4 à 6. Parce qu'après, j'avais fait un prix à la semaine de 30%. Donc là, ça va être 4 à 6 nuits. Je vais mettre 20% de moins. Et je vais mettre
4 à 6 nuits, hop. Et ensuite 2 à 3 nuits, 5%. Donc ça, c'est vraiment spécial Covid. Voilà, pour essayer de cibler justement les séjours d'un peu plus longue durée. Donc là, je mets fixer une durée de séjour. Donc je vais mettre 2 nuits minimum. Donc il va aller jusqu'à 3. Et la quatrième, c'est le 4 à 6 nuits qui va s'activer. Et donc là, je mets 5% de réduc. Et là, je vais mettre 2 à 3 nuits, vérifier, activer le plan. Donc voilà comment est-ce qu'on va pouvoir le faire sur Booking. Et tu regarderas, il y a deux tutos pour le faire sur Airbnb et sur Expedia. Ok, donc on a vu en détail comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en place cette stratégie et cette tarification adaptée au contexte de cette crise actuelle. Donc en complément de ça, le fait, ça va te permettre d'avoir des séjours d'un peu plus longue durée, de cibler les professionnels, donc, mais il va falloir encore plus proactif. Donc identifier 15 entreprises du secteur, tu vois, tout ce qui est les sociétés de services, les sociétés informatiques, les entreprises du bâtiment, donc 15 entreprises du bâtiment, 15 entreprises qui sont dans ton secteur, qui ont des collaborateurs en déplacement, les hôpitaux, les centres médicaux, les offices de tourisme, donc vraiment les contacter, être proactif, flyer, carte de visite avec ta propre plateforme, et ça te permettra, voilà, comme ça, de maintenir ton niveau de chiffre d'affaires et de ne pas galérer pendant cette crise. Donc j'en dis pas plus. Ce qui se passe, c'est que je vais faire cette vidéo sur les autres plateformes, sur Airbnb, sur Expedia, etc. pour que tu puisses le faire, pour aider un plus grand nombre. Ce que je fais aussi, c'est que j'organise un atelier où je vais te détailler encore plus tout ça. On va aller plus en détail. Donc, le lien se trouve dans la description. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Tu cliques dessus, tu t'inscris. Et on se retrouvera lors de cet atelier où je te décrirai comment tu vas pouvoir aller plus loin justement en mettant en place toutes ces actions et d'autres actions qu'on verra dans cet atelier. Donc, j'en dis pas plus. Je te dis à très vite dans l'atelier. Boum! Toi qui m'écoutes, attention, oui toi, je te parle à toi. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo, non. Ne change rien, reste dans l'ombre et continue de galérer avec ta location courte durée. Et puis bon, si t'es encore là, c'est que t'es chaud, donc vas-y, passe à l'action.